Oye, oye, Facebooker, Facebookeuse, voilà. Là, on est chez des sourds et malentendants. Ils nous ont contactés. Voilà. Vous avez vu, là, déjà, là c'était une soi-disant pièce, alors que c'était la cuisine qui a été aménagée en pièce. Allume la lumière, allume la lumière. Voilà. Là, c'est un robinet qui a été cassé. Comme vous avez pu voir, bon, je sais pas, elle a mis la boîte, elle est là. Elle a acheté une robinetterie pour la réparer. Et le propriétaire, il lui a dit non. Et derrière, il lui a laissé cette robinetterie-là. L'exemple, elle a voulu changer la serrure. Le propriétaire, il lui a dit non et tout, etc. Et voilà. C'est que... Tiens, filme-moi. Et plus, voilà, et plus la chambre. Donc, ça veut dire, en fin de compte, c'est une sourde et malentendante qui a dit qu'elle est en situation de handicap. Clairement, on a un propriétaire qui profite de la faiblesse de sa locataire. Derrière ça, cette locataire-là demande tout simplement la liberté en tant que locataire, c'est-à-dire pouvoir accueillir des amis comme elle le souhaite, pouvoir faire les travaux de embellissement comme elle le souhaite, essayer de faire en sorte de faire valoir ses droits lorsque dans la robinetterie ou lorsqu'elle a pris l'appartement qu'avec une clé ou une deuxième clé pour son mari, donc elle a changé la serrure. Le propriétaire lui a dit non. À un moment donné, lorsque elle fait une chose qui ne plaît pas au propriétaire, le propriétaire la menace de l'expulser alors qu'elle paye tous ses loyers en temps et en heure. Donc, où est la liberté en France? Où est le droit en France? Comment ça se fait lorsqu'on est des personnes, on va dire, faibles ou qui ont soi-disant fait par rapport à une certaine institution, donc on n'a pas le droit de faire valoir nos droits? Elle est partie voir les institutions sociales. Elle est partie voir la mairie de Drancy. Elle est partie voir la mairie de Bobigny. Elle est partie à Paris 13e. Il y a un hôpital qui est spécialement pour les sourds et malentendants. Elle a toqué à toutes les portes. Personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Comment on fait? Eh bien, on fait la révolution. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.